Comme j'étais le seul élève noir du collège, je croyais que tout le monde se retournait sur moi parce qu'on me trouvait fascinant. Jusqu'à ce que je découvre qu'ils avaient simplement peur de moi. Elle n'est pas sortie de sa salle de classe pendant une semaine. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Il y a une rumeur à propos de la bagarre. Je m'étais battu avec Caruso, la grosse brune du collège. Il m'avait mis une telle raclée que j'étais rentré à la maison en rasant les murs. Mais sans savoir ni comment ni pourquoi, il s'en suivit une toute autre version des faits. Chris l'a frappé si fort à la mâchoire que ses dents sont toutes tombées. Chris a arraché un œil à Caruso, il l'a remis en place et ensuite lui a encore arraché. Chris lui a fait gicler toute sa morve. T'as qu'à regarder son nez, tu ne verras plus de morve dedans. Chris l'a coursé jusque chez lui, a assommé toute sa famille et puis il a pris sa maison. Et quand ce genre de rumeur est lancée, on ne peut pas savoir quand elle va s'arrêter. Tu es sûr de ce que tu me dis? Oui, sûr. Et après lui avoir cassé les dents, Chris lui a dit: t'as pas intérêt à sourire, espèce de pauvre blanc. Pauvre blanc? Oui, monsieur, pauvre blanc. Monsieur Raymond était le proviseur du collège. Et la dernière chose dont j'avais besoin, c'est qu'il pense que j'étais un fauteur de troubles. Merci, petit. Cet élève mouchardait tellement qu'il gagnait plus d'argent que les profs. C'est bien. Drew, mon frère, adorait le karaté, mais il prenait pas de cours. Il lui suffisait de voir quelqu'un faire quelque chose pour être capable de l'imiter. Aujourd'hui, c'est ce que font les producteurs de musique. Chris, respire, respire. Tu fais quoi là? Je m'entraîne au karaté. Qu'est-ce que tu vas faire avec le karaté? Mon père ne voyait pas de raison d'apprendre quelque chose qui ne débouchait pas sur un métier. Venez à table. Comment ça se passe au collège? Tu es en train d'étudier l'anthropologie ou la paléontologie? Une matière compliquée, je suppose. Ma mère croyait que j'apprenais toutes sortes de choses parce que j'allais dans un collège de blancs. Non, on fait seulement de l'arithmétique. Vous entendez? Les blancs au collège font de l'arithmétique alors qu'ici, ils en sont encore aux maths. Ma mère pensait que les mots plus longs étaient toujours synonymes de plus importants. Bon, Julius, dis les bénédicités. Elle est où, la viande? Nous n'en avons pas. T'as pas acheté de côte de porc? Non, cette viande était beaucoup trop chère. Et je sais qu'on a de la mortadelle. Ou des saucisses, ou du bacon et des boulettes de bœuf en conserve. Non mais c'est quoi un repas sans viande? C'est un repas végétarien. Est-ce que j'ai une tête de végétarien? Je travaille 60 heures par semaine, je soulève des cartons et des papiers toute la nuit, mais j'en veux pas de tes légumes, j'ai besoin de viande. T'as pas eu ta paye aujourd'hui? J'ai donné ma démission hier. Oh, Chris, tu rentres vite à la maison jeudi parce que je dois aller chercher mon chèque. Pourquoi t'as démissionné? On ne me respectait pas, Julius. Mon père avait toujours deux boulots, ce qui faisait que ma mère ne se gênait absolument pas pour démissionner sous n'importe quel prétexte. L'addition, s'il vous plaît. J'ai bien dit n'importe quel prétexte. Est-ce que j'ai une tête à voir votre addition? Tous ces gens qui braillent, je n'ai pas besoin de ça. Mon mari a deux emplois, madame, je n'ai pas besoin d'être là. Prenez mes appels. Après qui est-ce que vous beuglez? Prenez mes appels. Mais prenez-les vous-même, vos appels. Je n'ai pas besoin de ça. Mon mari a deux emplois. Ma mère trouvait toujours du travail quand elle en avait besoin. Alors mon père ne se plaignait pas trop. Je comprends parfaitement. J'imagine que tous ces gens sont simplement cinglés. Ce regard voulait dire: je sais que j'ai tort, mais plutôt mourir que de le reconnaître. Et de la sauce bolognaise? On en a, non? Salut le tueur. Oh la vache! J'ai entendu ce que t'as dit, espèce de menteur. Quoi? J'ai rien dit. Tu crois que j'ai pas déjà assez de problèmes? S'il faut en plus qu'on pense que je fais cracher les dents de tout le monde, mais est-ce que j'ai besoin de ça? Alors dis-moi qui raconte ces salades. Il y avait des garçons style « je te cloue sur place » et des garçons style « on se reverra ». Greg! Greg, lui, était du style « courage, fuyon ». Tous les deux dans mon bureau, tout de suite.